Il en va des endroits, comme d'autant de personnes, certains sont plus bavards, d'autres se font discrets. L'atelier d'Imelda était loin des palais, dans le fond d'une impasse que le jour abandonne. Aucune enseigne, pas de pancarte, ni le moindre écriteau. On ne pouvait savoir tout ce qu'elle y faisait. Et les passants, n'ayant plus le temps de tourner leur tête vers les autres, marchaient droit au boulot. Pourtant, ce n'est pas cela qui tracassait Imelda. Son dos arc-bouté et le regard au sol, elle entrait et sortait quand dorment les humains. Jamais de grand soleil dans ces petits matins, en plein cœur de nos rêves, on l'aurait pris pour folle. Depuis la nuit des temps, il en était ainsi. Sérieuse à son travail, rien d'autre ne comptait, car elle gardait un trésor que beaucoup ignoraient. Des objets fabuleux, la mission d'une vie. Des objets fabuleux que nous compterons ici. Mais chaque mot en son temps, la patience est un jeu. Le tracas d'Imelda, lui, était des plus sérieux. Ce nouveau jour de neige, sa devanture étroite, se mêlait plus encore aux autres de la ville. Entre les étagères, elle commença, fébrile, à remettre de l'ordre, une tasse plus droite. Théière, manteau de porcelaine, utile, très utile pour abriter les jours de thé. Ronce, plante de solitude audacieuse, qu'aucune épée de jour n'arrête. Chaise, objet de patience, à quatre pattes, de toute taille, à l'heure des ours. Rose, parfum des soucis à venir, s'étiole quand on l'accueille d'un peu trop près. Ce n'est pas qu'elle était pointilleuse en tout point. L'objet en liberté raconte plus histoire, mais quelque chose, enfin, dérangeait son regard. Elle ne savait pas quoi, elle ne savait pas où, elle ne savait pas bien. Était-ce une fenêtre ou un carreau cassé? Peut-être un courant d'air, un danger du dehors. Imelda balaya l'ombre d'un mauvais sort et sourit même, un peu. À l'ironique idée, elle connaissait par cœur ce qu'on peut de magie. Les ogres, les génies et les fées à clochette, les grandes épopées, les mirifiques quêtes, les formules sorcières et leurs péripéties. Elle posa à nouveau son regard dans l'espace. Presque rien de travers, rien non plus d'évadé. Un fouillis très organisé. Puisque oui, vraiment oui, tout était à sa place. Couverture. Caresse de tissu, réchauffe. Réchauffe et dissimule toute vérité nue. Pomme. Tentation à croquer. Doucereuse, des pépins jusqu'à la sieste éternelle. Clé. Instrument de cliquetis à cran, ouverte à toute chanson métallique. Pantoufle de verre, semelle d'apparat, s'ajuste et se perd d'un coup de minuit.
tout à sa place, exposé, endormi, de tout cœur, c'est cela qui navrait Imelda. Que devenaient la sirène et le petit soldat, le chaperon, la bergère et l'envol des tapis? Si depuis trop longtemps, plus rien n'était sorti, un drame se jouait dont elle ne voulait pas. Car, venus du fond des pages, des folles fantaisies, ces objets de forêt, de château et d'amour étaient bien des trésors que l'on forgeait ici. Destin ensorcelé et autres vilains tours. Tous à la fois terribles, superbes et merveilleux. Ils étaient le symbole des histoires qui comptent, l'objet original de tant et tant de contes, l'objet particulier d'où naissent tous les vœux. Lampe, berceau d'huile, prison dorée, que l'effleurement suffit aux promesses d'un djinn. Robe, muraille de fil, nuage à faire tourbillonner tout bal de magie. Conque, enveloppe naufragée, voix d'océan qui te fait vaguement miroiter la mer. Crochet, clin d'œil de crocodile, hameçon, idéal pour la pêche à l'enfant perdu. Imelda en était la gardienne et passeuse. Là, rien n'était à vendre, juste à disposition. Elle secoua la tête, murmura d'émotion. Un objet délaissé fait l'histoire malheureuse. De fait, elle aimait plus que tout voir ses étagères vides. Pour que les contes vivent, il fallait qu'elle le soit. Que quelqu'un, quelque part, lise « Il était une fois ». Pour que l'objet rejoigne son histoire intrépide. Si quelqu'un, quelque part, prononçait ces mots-ci, aussitôt dé à coudre, cailloux blancs et balais, bottes de sept lieues, flûtes, jarres et paniers, quittaient leur rayonnage, retrouvaient le récit. C'est là qu'entre les lignes pouvaient se réveiller toutes les rêveries qu'on peut imaginer. Alors, si les objets étaient agencés là, c'est bien que leurs histoires, ailleurs, ne vivaient pas. Imelda tressaillit d'un horrible frisson. S'il n'est plus jamais lu, tout conte finit par disparaître et pour de bon. Elle s'assit lentement sur un vieux trône d'or, celui d'histoire de reine ou de roi ou de brume. Elle avait tout à coup des épaules d'enclume. Elle oublia les heures et songea à son sort. Pas véritablement à sa propre personne, mais à l'immense foule d'humaines et d'humains. Comment avait-on pu oublier à ce point? Par quel maléfice les fables devenaient mornes? Qu'était-il advenu au terrain de l'enfance? Les émerveillements et les jeux et les joies, les forêts de nos peurs, les frissons que l'on boit. Là, les, c'est autant jadis et Bobinette chéra. Sur quel chemin nouveau se dessinaient nos danses? Racontait-on encore? Le rêve était-il mort? Peut-être les histoires avaient-elles fait leur temps? Au fond, quelle importance? Le monde est tellement grand. On peut chacun choisir l'esprit où l'on séjourne. Il faut bien accepter qu'une page se tourne. C'est ce qu'Imelda crut l'espace d'un instant. Un tout petit instant, pas plus gros qu'une noix, qu'une larme de prince ou qu'un brin d'allumette. Elle sourit aux images qui passaient dans sa tête. Elles étaient sous ses yeux,
ces curieuses étaient-là. Noix, petit bateau de fortune, berceau où tanguent les grands ruisseaux d'aventure. Allumette, tronc de poche, tremble à l'idée que son éclat de lumière en hiver ne fonde. Larmes, déclaration limpide, lac, renferme ce que fait déborder le monde. Par joie, certains instants ont un destin d'étoile. Ils filent en courant d'air vers d'autres mauvais jours. Imelda s'empourpra comme au premier amour. Imelda se leva comme on s'élance au bal. Allons, elles n'ont pas disparu. Les histoires sont vivantes. Depuis tellement de lunes, je les ai sous les yeux, source de merveilleux, vives et crépitantes. Il ne sera pas dit que s'endorme leur feu. L'atelier d'Imelda n'est pas salle d'attente. Si le monde a bougé, à nous de le rejoindre. Ne pas être oublié, c'est prendre les devants. Questionner, essayer, inventer, ne pas craindre. Réveillez-vous, objets, et partons au levant. Une souris passa, aussi bien qu'un silence. Et puis, une seconde, et toute une famille. Imelda retrouva son rire de petite fille. Elle s'était emballée, comme ça faisait du bien. Elle reprit ses esprits, puis se frotta la tête. « Imelda, mon ami, c'est sur toi que tout tient. » Elle pensa tout d'abord ouvrir en grand ses portes. L'atelier était vaste. Il pouvait accueillir, elle en ferait la visite, expliquerait à loisir comment se fabriquer les robes de feuilles mortes, où vous transporterez les marmites, les haches, les brosses à cheveux et les tours biscornues, les couronnes royales, les rouets disparus. Elle dirait aux enfants tout ce qu'une histoire cache. Imelda avança quelques pas dans la neige. L'impasse était déserte, sans foule ni cortège. Après quelques « Eh oh !» « Venez, n'hésitez pas. Sous vos yeux ébahis, c'est une grande première. Eh oh, quelqu'un, quelqu'une, jeunes gens ou grand-mères, plongez entre les lignes de l'extraordinaire. » Après quelque autre, « Eh oh !» À tort et à travers, elle comprit bien vite qu'on ne l'entendrait pas. Imelda contempla la vérité en face. Quand ils sont tus et depuis si longtemps cachés, les secrets restent des secrets. Quoi que l'on fasse. Il fallait donc chercher une toute autre voie. Elle se faufila entre les étagères. Avant la fin du jour, elle saurait quoi faire. On n'est pas magicienne si l'on baisse les bras. Elle puisa des forces dans quelques gourmandises. Sucre d'orge, canne de douceur, suave, offre aux enfants d'épices du rouge et blanc à retordre. Échelle, partition de ramoneur, dérobade vers une destinée d'amoureux. Haricot, pousse d'ascenseur, vivace, fait dire rapidement ce que le ciel a de géant. Cage, château de courant d'air, diabolique, nous fait voir la liberté sans qu'on puisse la toucher. Elle voulut empoigner la moindre échappatoire, fit rouler dans sa main quelques graines d'espoir, et conclut qu'on n'enferme jamais une surprise.
et c'est sans prévenir que tout s'illumina. L'idée lui apparut comme un « au grand » en reprend son souffle, une idée si discrète qu'évidence camoufle, une idée d'horizon pourtant sous ses 10 doigts. C'était si prétentieux de se vouloir unique, de garder ses trésors comme une forteresse. On les croyait à l'abri, on les avait asservis. Chacun de ces objets cachait tant de promesses. Ils avaient tout le monde de précieuse musique. L'histoire ne saurait dire combien de temps passa. Une fois, puis encore et d'autres plusieurs lunes, patiemment, Imelda rassembla ses fortunes et tout ce qu'il fallait comme papier de soie. Puis elle empaqueta un à un les objets, puis elle enrubana des manières de cadeaux, cordes de marionnettes, ciseaux à bois, rabots, rouleaux à pâtisserie ou baguettes ou psyché, et du plus minuscule au plus éléphantesque, qu'il paraisse babiole ou parure de musée, une larme coula pour chacun des objets, dessinant délicate une ultime arabesque. Par ses larmes de joie et puis d'incertitude, Imelda consentit ainsi à la séparation. Elle savait de tout cœur son choix était le bon. Il y aurait pour eux d'autres mains et d'autres habitudes. Elle paqueta encore et puis se décida. Il était plus que temps de quitter l'atelier avant d'y revenir pleinement délestée. Elle affronta la neige, le givre, un peu de froid. De maison en maison, elle se fit discrète. Personne n'entendit ses pas de souriceau. Elle se faufila au détour des hameaux. La nuit, on le sait trop, fait sublime cachette. Personne n'entendit, mais chacun s'étonna qu'au milieu de son rêve s'invite le merveilleux, le bizarre, le splendide et le prodigieux. Il y avait si longtemps que Cauchemar était roi. Pourtant, quand au petit matin les enfants se levèrent, il y eut quelques grognes pour quelques frustrations. On trouva un cadeau, oui, mais la belle affaire, puisqu'il était doublé de cette indication. Laissez à vos parents le soin de les ouvrir. Laissez donc vos parents, vous qui savez déjà. Alors, un second mot apparut qui figea sur les visages adultes un infini sourire. Ces trésors sont à vous depuis toujours, en somme. Redevenez pour eux les passeuses et passeurs. Ils attendent vos yeux, vos voix et votre cœur. Il ne fait pas si bon de vivre en aquarium. Je laisse au bon souvenir de votre enfance nue ces objets, ces sésames, ces abracadabras. J'espère que pour longtemps chacun les changera. J'espère que pour longtemps chacun les échangera et pour les réveiller, leur clé n'est pas perdue. Leur clé, elle tient en 4 mots. Ne les oubliez plus. Épilogue. Il en va des endroits comme d'autant d'humains. Certains sont plus discrets, mais le monde est bavard. Imelda retrouva par un curieux hasard, dans un coin d'atelier, une chose oubliée. L'objet de tous les objets. Retrouva par hasard, peut-être conservé. Acceptons gracieusement que nous n'en saurons rien. Fébrilement, elle la prit dans sa main comme on relève l'encre. Effleura le papier d'une caresse d'encre, et puis elle écrivit les 4 mots précieux. Les 4 mots plus un d'un début malicieux. Il était une autre fois. Puisque tout ce qui compte, frissonna Imelda, puisque tout ce qui compte, c'est bien que les histoires ne s'interrompent pas. Plume, serment d'espoir, fragile, pourtant capable de donner ses ailes au courage des mots.